Pour faire de la recherche, notamment les enquêtes, qui vont aboutir plus tard à une hiérarchisation des contraintes, il est bon de savoir que l'oiseau doit posséder, pour chacun de ces trous, de ces 24 trous, doit posséder 5 boules. Donc si on regarde ici, il y a 5 dans chacun des trous. Il y en a 4 ici, par colonne. Donc, on va raisonner par colonne. Au total, donc, il faut avoir 120 boules. Puisqu'on a 6 colonnes de 20, donc ça fait 120 boules. Et on prépare son questionnaire avec des questions précises et des réponses anticipées. Dans le cas présent, on a une question de thème d'enquête qu'on a appelée ici but 1 qui s'appelle, eh bien, qui se formule de la façon suivante: quel type de culture peut vous inciter à mieux entretenir les drains? Il s'agit là d'une enquête en milieu paysan, où on s'intéresse de savoir qu'est-ce qui va finalement pouvoir inciter l'agriculteur à entretenir les drains de sa parcelle, surtout en irrigation gravitaire. Et les réponses anticipées ont été marquées ici. Comme on peut le voir, il y a d'abord le riz, ensuite il y a le maïs, il y a l'oignon, il y a la tomate, il y a les choux. Mais aussi, on laisse le questionnaire ouvert pour que l'agriculteur puisse avancer un autre facteur auquel on n'aurait peut-être pas pensé. Donc au début, on a rempli ici, tout simplement pour les objectifs d'explication, on a rempli tout le oiseau. Mais avant de commencer les enquêtes, bien entendu, il faut enlever toutes les boules. C'est à l'agriculteur maintenant de donner chacune de ces réponses anticipées, il doit donner un certain nombre de points. Et c'est noté sur 20. Chaque colonne a 20 boules, donc 5 boules par trou, et l'agriculteur ou encore la personne enquêtée va pouvoir apprécier en plaçant donc le nombre de boules qui lui semble bien indiqué pour montrer que ce facteur est plus important pour l'inciter, par exemple, à entretenir le réseau de drainage ou pas. Monsieur le Cabana, sur votre périmètre ici, nous avons remarqué que vous cultivez le riz, le maïs, l'oignon, la tomate et le chou. Bon, peut-être qu'on n'a pas pu tout apprécier, donc on a prévu une colonne vide pour que vous puissiez nous donner la culture que nous n'avons pas pu citer parmi ces cultures et qui est importante pour vous par rapport à son pouvoir incitatif sur vous en ce qui concerne les soins que vous accordez à l'entretien du réseau de drainage. Pour chaque type de culture ici, vous voyez que pour chaque culture, on affecte une colonne. Et pour chaque colonne, vous pouvez mettre jusqu'à 20 boules. Et le nombre de boules que vous mettez nous permet d'apprécier l'importance de cette culture-là sur vous par rapport à ce pouvoir incitatif en ce qui concerne l'entretien du réseau de drainage. Alors, sur ce, pour le riz, vous accordez combien sur 20? Est-ce que le riz vous incite plus à entretenir le réseau de drainage par rapport au maïs ou autre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, donc pour le riz, vous accordez 13 boules, c'est-à-dire 13 sur 20. Ok, donc pour le maïs. Accorder 17 pour le maïs, ça veut dire que le maïs est vraiment important pour vous. Ok, donc l'oignon maintenant, combien est-ce que vous accordez à l'oignon? Ok, donc là on constate que vous avez donné jusqu'à 17 pour le maïs, donc ça veut dire que le maïs vous pousserait beaucoup plus davantage à entretenir le réseau de drainage. Ouais, Et effectivement. cela pourquoi? Et parce que j'ai constaté que Et le maïs, bien qu'il demande beaucoup d'eau, mais il nécessite un sol qui est bien drainé pour donner des meilleurs rendements. Donc c'est la raison pour laquelle que vous avez accordé. D'accord, c'est bien. Ok, donc on peut passer maintenant à l'oignon. Combien de boules sur 20 vous accordez à l'oignon?
Ok, là maintenant, est-ce qu'il existe une autre culture qui vous inciterait particulièrement à entretenir le réseau de drainage? Oui. La pomme de terre. La pomme de terre, ah bon. Et pourquoi? Parce que j'aime beaucoup la pomme de terre. Mm-hmm. Et je pense que si j'entretiens bien le réseau de drainage, mm-hmm. ça peut beaucoup apporter. Donc, vous trouvez que la culture de la pomme de terre vous inciterait plus à entretenir le réseau de drainage. Et quel score, par exemple, vous allez donner à la pomme de terre? Merci beaucoup, monsieur Lutavara. Merci pour votre collaboration. 6, 17. Vous avez accordé 10 à l'oignon. La tomate, vous avez accordé 6. Le chou, vous avez accordé 13. Et la pomme de terre. Donc, ici, c'est pomme de terre. Pomme de terre. Vous avez accordé 20. Ça veut dire que la pomme de terre vous incite plus que toutes les autres cultures à entretenir le réseau de drainage. Voilà, donc on peut voir que, après, bien entendu, il faut reporter les données collectées au niveau du paysan 1, ou de l'agriculteur 1, ensuite l'agriculteur 2, l'agriculteur 3. Une telle façon d'organiser le tableau permet de faire des analyses statistiques très poussées après. Et ce qui est intéressant, de hiérarchiser les facteurs qui ont été identifiés ici comme étant les plus incitatifs à l'entretien du réseau de drainage. Et en ce moment, on peut envisager de faire des réformes ou soutenir par le biais d'un projet les agriculteurs. Et ce serait, si on voit qu'il y a beaucoup de convergence, donc à supposer que le paysan 2 jusqu'à paysan 30, on voit qu'il y a beaucoup de convergence sur certaines cultures, par exemple le maïs, on obtient des scores élevés ici, 17, 18, 19, et que on voit au niveau de la pomme de terre qui revient spontanément. Ça veut dire que si on entreprend des réformes, hein, donc des projets qui vont appuyer ces deux facteurs, il y a de fortes chances pour que les agriculteurs suivent. Et c'est là un des gros avantages du Valais. Donc il permet non seulement d'attribuer des notes absolues, mais aussi de hiérarchiser selon les enquêtés, en se basant sur les convergences d'opinion. Monsieur Issouf, parmi ces types de cultures, laquelle vous motiverait le plus à entretenir les drains si vous avez la possibilité de les cultiver? Okay. Si c'est moi, j'aimerais peut-être, premièrement, j'aimerais l'oignon. L'oignon. Voilà. Donc, l'oignon, c'est-à-dire vous allez attribuer combien par exemple à l'oignon? Et par poker, moi je vais donner 5-5. 5-5, c'est-à-dire vous donnez 20 sur 20, 20, sur 20 à l'oignon. Donc allons-y. Donc vous donnez, c'est-à-dire que vous mettez 5 dans un trou. Ok, donc là vous avez mis 4, 3, 7, 7 ça fait 6, ça fait 13. Voilà, donc vous donnez 13 au riz. Alors pourquoi vous donnez 13 riz comparativement à l'oignon? Oui, puisque dans mon coin, dans mon terrain, sur mon terrain là, et chaque fois j'ai le problème de manque d'eau. J'ai le manque d'eau. C'est ça que si c'est l'oignon n'a pas beaucoup besoin d'eau comme ça. Et le coin là aussi est un peu sablonneuse, et un peu caillouté. Ça peut aider l'oignon, un peu biner, peut vraiment bien entretenir. Le terrain n'a pas besoin chaque fois d'eau. Okay. Et c'est un terrain qui est utile. En tout cas pour l'oignon. Donc si je mets les riz là-bas, il faut en tout cas.
pour apporter beaucoup d'eau. Mm-hmm. Et même s'il n'y a pas d'eau aussi là-bas, mm-hmm. sur le terrain, chaque fois, il faut chaque fois désherber. Le fait qu'on apporte du fumier, mm-hmm. donc il y a l'herbe qui pousse. Mm-hmm. Okay. Le fait que il y a manque d'eau aussi, mm-hmm. et que chaque fois au niveau du riz aussi, on apporte du fumier. Quand ce fumier, il y a un peu d'eau, l'eau aussi sort, ça part dans le... Puisque le drain est plus bas, du champ même. Donc l'eau là, il descend directement dans le drain. Et le fumier que j'apporte, l'engrais que j'apporte sur le terrain, descend dans le drain. Et c'est ça qui permet aussi à faire que l'herbe la pousse vite. Chaque fois, il faut que tu fasses le drainage. Bon, le fait que si tu es occupé par le désherbage dans le périmètre, dans le champ, bon, le drain aussi est bourré d'herbe. Est-ce que tu vois? Mais par contre, si c'est l'oignon qui est là, bon, chaque fois, il n'y a pas d'eau. Bon, tu peux épiner, mais si l'eau ne sort même pas pour aller dans les drains, tu nettoies les drains une fois, en toi, dans la campagne, en toi, ça est toujours là, propre. Ah, ok. Voilà. Okay. Donc, c'est ça, c'est pour ça que l'oignon va vous faciliter. Voilà, ça va vous faciliter. D'accord.